deuxième édition du week-end de reconstitution historique au musée de la Grande Guerre à Meaux. D'accord. Et en fait, vous avez à peu près, vous savez à peu près combien il y a de personnes Alors, aujourd'hui, on en est déjà un peu plus de 700 personnes à l'heure où on se parle. Voilà, les gens continuent d'arriver. Vous êtes encore tous les bienvenus puisque le musée est ouvert aujourd'hui jusqu'à 18h. Et puis surtout, on recommence demain à partir de 9h30 et le bivouac sera ouvert jusqu'à 17h. Et la particularité de demain, c'est qu'en plus, vous pourrez découvrir gratuitement les collections du musée pour compléter votre rencontre avec ces passionnés. Très bien. Et en fait, d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup, alors même d'Italiens cette année, c'est ça ? Oui, alors c'est la particularité de cet événement, c'est d'essayer d'avoir le maximum de nations belligérantes représentées. Donc vous allez trouver des Italiens, mais aussi des Canadiens, des Irlandais, des Britanniques, des Allemands, des Américains, des Français évidemment. Ouais. Et puis aussi des gens du civil, puisque la question du soin est représentée avec des infirmières et les moyens de transport. Vous allez avoir cette année la nouveauté des motards, qu'on n'avait encore jamais vu. L'incontournable taxi de la Marne, bien sûr. Au moment de la Grande Guerre, les taxis ont transporté 4 à 5 000 hommes. C'est pas ce qui a changé vraiment au cours de l'histoire, comme on peut l'entendre certaines fois. C'est certes un apport supplémentaire de personnes, mais par rapport au nombre de soldats engagés au moment de la bataille de la Marne, c'est pas la différence qui a contribué à la victoire de la bataille de la Marne. Mais néanmoins, c'est la première fois qu'on utilise l'automobile à grande échelle dans l'armée, et c'est ce qu'on va retenir. C'est ce qui va donner un peu l'idée aussi aux industriels de s'engager sur la production de camions, de matériel, de canons, tout ce qui va servir aussi à la logistique, et qui va du coup faire l'essor de l'automobile après l'issue de la guerre. Alors, les premiers taxis sont partis quasiment à vide, c'est-à-dire avec le chauffeur et avec deux soldats à l'arrière, comme deux clients. Et on s'est vite rendu compte que ça allait poser un problème de logistique. Donc les taxis ont été chargés après avec 5 soldats en plus du chauffeur. Donc 2 soldats à l'arrière avec ce qui était fusils, les as de carreau. 1 soldat assis à côté du chauffeur. Et certains soldats ont fait le trajet d'époque sur chaque marchepied. Donc c'est aussi là un peu la prouesse. Et la dimension que ça a donné à cette épopée qui a été initiée par le général Gallieni, puisque c'est lui qui a ordonné la réquisition des taxis. Bah ouais, mais bon, mais tu seras avec quel camion ? Ça ne fait rien. Oh, ouais, il le mérite. Il le mérite tous. Donc pour ces troupes, il y a différentes manœuvres qui vont être pratiquées lors de ces premiers mois. Il y a la formation en tirailleurs, en colonne également, donc selon les effectifs et selon bien évidemment les combats et les enjeux de terrain qu'il va falloir affronter. En 1914, c'est aussi les tirs à la baïonnette. Les premières armes à feu, des armes à feu automatiques qui sont utilisées, les armes à répétition. Il faut donc pour ces troupes relativement visibles dans les terrains dans lesquels on évolue, être très vigilant, pratiquer le tir tout en se déplaçant. Et nous voyons avec le cascadrillon les légionnaires qui ont combattu toutes les armées étrangères qui étaient déjà au service de la France pour la Légion étrangère. Avec leur équipement moutarde, qui avait un peu d'avance par rapport aux toutes les tenues piou-piou, ce qu'on appelle piou-piou, pantalon garance, képi garance et tenue gris de fer bleuté. Merci.
avec les pigeons voyageurs, voilà, et des vrais. Vous pourrez aussi envoyer des messages avec un pigeon voyageur et mieux comprendre le fonctionnement de cet outil de communication indispensable pendant la guerre. L'ensemble des uniformes matériels nationalités qui auront été présentés cet après-midi et que vous continuerez de retrouver dans le parc du musée jusqu'à 18h. Vous pouvez les applaudir très 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 fort. Ces troupes, ils ont envie de s'affronter, faire des prisonniers.